نواصلوا الحديث عن المباراة اللي قلنا مصطفى ماشي الكلاسيكو بين شبيبة القبائل ومولدية الجزائر. معليش معليش مصطفى نواصلوا لي راك دي فوتبول يقولوا هكذا. راح نتكلموا على مولدية الجزائر، واحد من بين احسن لاعبين في مولدية الجزائر هذا الموسم، هو بمثابة مفاجأة. كنا نسناو في ديرارجا، كنا نسناو في عبيد، كنا نسناو في قراوي، لكن في الاخير ظهر مهدي قاسم كافضل اللاعبين في مولدية الجزائر. كيفاش ما هو السير تاع مهدي قاسم؟ راح تكلمنا عليه خديجة خداوي. عفوا. لطالما تحدثنا عن مشاكل مولودية الجزائر هذا الموسم، نتائج متذبذبة وتغييرات كثيرة على مستوى الطاقم الفني، إلا أن أحد النقاط الإيجابية هي تألق بعض اللاعبين على غرار مهدي قاسم الذي أصبح قطعة أساسية في تشكيلة العميد هذا الموسم. Bah, je pense que ça fait longtemps que j'ai pas parlé aux médias de cette année, un peu l'année dernière, que j'ai vécu une expérience un peu difficile, parce que l'année dernière j'appartenais pas entièrement au RC Larba. Il y a eu des échéances qui ont fait qu'il a fallu que je me fasse prêter. Ça n'avait rien à voir avec le football, le fait que je joue pas, que je sois remplaçant. Écoutez, bah, y a la direction qui a compris ce qui s'était passé pour moi l'année dernière. Ils m'ont refait appel, ils m'ont fait confiance. C'était pas facile parce que je savais qu'au début de l'année je partais peut-être le dernier à mon poste, malgré que j'ai déjà joué au Mouloudia et gagné des titres. Et il fallait, même à mon âge, faire plus, et je le savais en préparation. C'est ce que j'ai fait. J'ai patienté parce qu'au départ j'ai pas joué pendant 4-5 matchs. J'ai patienté jusqu'au jour où. Comment est l'état d'esprit du groupe qui s'est remis sur les rails, puisque après un début difficile, il y a eu le retour en force suite à la qualification pour les demi-finales de la Coupe d'Algérie? Aujourd'hui, je pense qu'on a retrouvé un bon état d'esprit. Le groupe, il vit bien. D'ailleurs, le groupe, il a toujours vécu bien dans cette équipe, mais il manquait un peu de résultats. Mais là, les résultats vont avec l'état d'esprit, tout se passe bien. Alors Qassem, pensez-vous que le Mouloudia a franchi, on va dire, le passage à vide qu'a vécu en ce début de saison? Parce que si on revient aux résultats, le club n'a perdu aucun match lors de ces 5 dernières journées, c'est-à-dire après la venue du coach Lotfi Amrosh. Il y a quelque chose qui est important aussi chez cet entraîneur, c'est qu'il aime ce club parce qu'il est né dans ce club, il a joué dans ce club, et c'est super important d'être avec des gens qui aiment ce club. Et aujourd'hui, c'est sûr qu'il est en train de faire de bons résultats. Les gens savent qu'aujourd'hui, on est peut-être l'un des meilleurs effectifs dans le championnat. Maintenant, les gens peut-être s'attendaient encore à mieux. Bon, c'est déjà pas mal. Un match qui ne va pas être facile contre une équipe qui n'est pas là par hasard. Hein. Elle a quand même sorti deux équipes de première division. Mais maintenant, on reçoit chez nous. On est le Mouloudia, ça reste. Partait favori contre le petit poussé. Oui, bah, bien sûr, on est le Mouloudia, ça reste ça, sans leur manquer de respect. Bah, on n'est jamais sûr de rien dans la vie, mais en tout cas, nous, on fera en sorte qu'il n'y ait pas de surprise. Mahdi Qasem سيكون معنيا بالتنقل مع فريقه الى تيزي وزو لمواجهه الشبيبة في لقاء كلاسيكو الكره الجزائريه. L'année dernière, le Mouloudia, ils ont vécu une situation qui était encore plus délicate que ce que vit la JSK, et personne ne leur a fait de cadeau. Aujourd'hui, on n'est pas là pour enterrer qui que ce soit. On est là, il y aura un match de football, on va jouer comme des professionnels. Le seul hic, c'est que depuis le début de saison, malheureusement, on n'a jamais pu vraiment jouer tous ensemble. On a toujours quelqu'un qui se blesse. Aujourd'hui, les clubs savent que le Mouloudia est là. La crise qu'a traversé le club les dernières semaines a laissé entendre qu'il y a une crise, que le club peut-être est divisé entre deux clans. On parle notamment du clan des immigrés. Qu'est-ce que vous en pensez? Les immigrés qui jouent aujourd'hui au Mouloudia, c'est des immigrés qui, ça fait quand même peut-être quelques années qu'ils sont dans le championnat. Tu prends l'exemple de Karaoui, ça fait aujourd'hui, comme moi, peut-être 7-8 ans qu'on est là. On a fait quasiment une carrière en Algérie. Gourmi, pareil. Zerdan, ça fait 4 ans. Aujourd'hui, en Algérie, quand il n'y a pas de résultat, on sort tout. C'est-à-dire que... Quand on ne sait pas ce qui se passe, on essaye d'essayer de faire introduire les gens en erreur. Aujourd'hui, le Mouloudia, je serais presque même sûr de moi de dire que c'est peut-être l'un des meilleurs groupes qui vit ensemble.
ومن بين الأمان التي يريد مهدي قاسم تحقيقها هي تتويج بكأس الجمهورية مع المولودية والمساهمة في إعادة العميد إلى مكانته الأصلية. مهدي قاسم من أحسن العناصر في فريق مولودية الجزائر هذا الموسم، كان في ميكروفون خالد جخداوي ووئان مادي.